La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La voici arrivée, l'heure décisive, la grande œuvre qui anime le cœur de Jésus depuis sa conception, depuis sa naissance. Pendant les 30 années de sa vie cachée à Nazareth, il rêvait de cette heure décisive. Pendant les 3 années de sa vie publique, il n'a fait que parler de cela. Et nous voilà arrivés dans cette heure, cette veillée, cette soirée qu'il partage avec les 12 qui lui sont chers, et le moment le supérieur de sa vie, où il va faire don de son corps, de son sang, de son âme, de sa vie tout entière. Alors nous entrons dans ce mystère d'un Dieu qui se fait proche et qui se donne tout entier à nous. Nous voudrions être beaucoup plus proches les uns des autres. Je voudrais vous dire le désir que Dieu a de se rendre proche de chacun d'entre vous. Alors si nous n'avons pas la possibilité d'être réunis, eh bien là où vous êtes, réunissez-vous dans vos familles. Là où vous êtes, lorsque nous allons vivre le lavement des pieds, lavez-vous les pieds les uns aux autres, dans votre salon, autour de l'écran. Mais surtout, vivez cette proximité de ce Dieu Tout-Puissant qui a quitté le ciel pour venir se rendre proche et aimant. Ensemble, entrons dans ce mystère et reconnaissons que notre cœur a besoin d'être éclairé par sa présence, par la présence de celui qui se fait proche. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
toi, Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël : Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux manteaux et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous ainsi, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit : ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. Pierre lui dit : tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit : si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit : alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit : quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je ne sais pas du tout ce que Dieu pense du confinement que nous vivons en ce moment, et je ne prendrai pas le risque de me faire son porte-parole. Il y a aussi des prophètes improvisés qui nous disent beaucoup de choses et qui sont très sûrs que Dieu les ait inspirés. Par contre,
je peux essayer d'entrer dans l'intelligence du mystère de Dieu, c'est ma vocation et c'est la mission d'un prêtre, d'essayer simplement d'expliciter ce qui nous est donné à travers l'écriture et à travers les gestes que nous allons poser. Et je vous avoue qu'en ce moment, je pense avec beaucoup d'émotion à une scène que j'ai vécue personnellement avec une personne âgée qui était de ma famille et qui, dans les derniers instants de sa vie, avait un corps qui était vraiment marqué par la vieillesse, par la maladie, un corps profondément blessé. Et je me souviens des personnes qui la soignaient, des personnes qui, dans son EHPAD, eh bien, prenaient soin d'elle. Prenaient soin d'elle alors qu'aucun traitement ne pouvait plus guérir sa maladie. Mais alors qu'on ne pouvait plus la guérir, alors qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, cette personne qui la soignait comprenait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et peut-être que ce qu'il y avait à faire était le plus important. Lorsqu'on ne peut plus guérir la maladie, et souvenons-nous de ce que disait Ambroise Paré, « Moi je soigne, Dieu seul guérit », on ferait bien de s'en souvenir un petit peu. Eh bien, cette soignante disait, lorsqu'on sait qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus de traitements qui peuvent mettre fin à cette maladie, il y a tellement de choses à faire qui sont urgentes et qui sont importantes. Ce sont tous ces petits soins, vous savez, les caresses, l'hydratation, des paroles murmurées dans l'oreille. Ne croyons pas que les gens qui ne sont plus conscients, qui ne peuvent plus exprimer consciemment leurs pensées, vous savez, ce qu'on appelle des légumes, ne sont plus conscients. Ils sont conscients profondément, peut-être plus profondément que nous, et ils sont conscients de cette conscience très fondamentale qui est la conscience d'amour qui s'est éveillée, figurez-vous, par le toucher. La première manière dont nous avons manifesté l'amour et nous avons pris conscience de l'amour qu'on nous donnait, eh bien, c'est par les échanges tactiles de notre mère avec le nourrisson que nous étions. C'est par ces premiers échanges qui disent et qui ont provoqué en nous cette émotion, ce sentiment que nous avions d'être aimés, d'être soignés. Ou alors c'est par le toucher en général que nous avons été maltraités, que nous nous sommes sentis violentés. Ça veut dire que le langage premier et le langage le plus profond de l'humanité, c'est le langage du toucher. On ne réfléchit pas assez à ça. D'ailleurs, on pourrait faire une comparaison entre l'homme et les autres mammifères. Le sens qui est le plus développé parmi les cinq sens chez l'homme, ça n'est pas le sens de la vue, puisque les aigles voient mieux que nous, ça n'est pas le sens de l'odorat, puisque les chiens renifent mieux que nous, etc., etc. C'est le sens du toucher. C'est par le toucher que nous prenons conscience de nous. C'est par ce langage que les amoureux se disent leur amour. C'est de cette manière que nous nous disons que nous sommes importants les uns pour les autres. Et je me souviens de cette personne qui traitait le corps de ce vieillard, de cet homme, comme le prêtre prend dans ses mains le Saint-Sacrement. J'étais très très impressionné de voir que ces soins très humbles, ces soins qu'on pourrait qualifier de très peu ragoûtants, eh bien, elle traitait le corps de cette personne décharnée qui n'avait plus que quelques jours à vivre, voire quelques heures à vivre, comme si elle portait ce qu'il y a de plus sacré. Mère Teresa ne disait pas autre chose lorsqu'elle disait à ses sœurs et à ses frères « Est-ce que tu as vu ce matin, à 5h du matin, parce qu'elle suivait la messe à 5h du matin, avec quel respect et avec quel tremblement le prêtre prend le corps du Christ dans ses mains ?» Eh bien, ça doit être le même respect que tu dois avoir quand tu serres dans tes bras ces personnes que tu ramasses sur le caniveau et dont tout le monde se détourne. Chers amis, toute notre humanité dit qu'il faut nous rapprocher les uns des autres. Toute notre humanité dit cela, et Dieu n'a rien fait d'autre dans son incarnation. Dieu n'a pas supporté la distance qu'il y avait entre lui et les hommes. Dieu n'a pas voulu rester au ciel bien confortablement avec les anges, avec les saints, dans cet univers confiné, éthéré, qu'on pourrait dire, et séparé de l'homme et de sa boue de péché, et de sa boue de maladie. Dieu est venu dans la chair, frères et sœurs. Dieu est descendu dans la chair. Dieu s'est rendu proche de nous. Il a voulu habiter pendant 9 mois le sein d'une mère. Il a voulu toucher les personnes qui l'approchaient. Lorsque des enfants s'approchent, il se met en colère quand on veut les empêcher de venir jusqu'à lui. Et il les prend dans ses bras, il les embrasse. Lorsque quelqu'un est malade,
Il invente toujours un geste pour se rapprocher de lui, met de la boue sur les yeux de l'un. Un autre, il va lui laver les pieds, c'est ce que nous voyons ce soir avec Pierre, parce qu'il sent que c'est ce geste-là qu'il doit faire avec ses apôtres. Et vous savez, le geste du lavement des pieds, c'est un geste très intime. Je me souviens aussi, c'est une autre scène qui m'émeut, dans le cadre d'une association dont j'ai été le conseiller spirituel, qui était à bras ouverts, cette association qui permet à des jeunes valides, bien portants, de partir avec d'autres qui sont porteurs de handicap pour des week-ends. Eh bien, nous vivons un temps de retraite tous les ans, et c'est très beau parce que nous prenons le temps de vivre 10 par 10 ce lavement des pieds. Et ces jeunes valides, qui ont toujours l'habitude de rendre service aux autres, acceptent de se laisser laver les pieds par une personne porteuse de handicap. Et faites cet exercice, faites-le en famille, là, ce soir. Lorsque je vais faire le lavement des pieds dans quelques instants, ne restez pas inactifs. Si le père de famille, dans une famille, pouvait prendre une bassine et laver les pieds de son épouse et de ses enfants, si dans une colocation, on pouvait le faire, si on pouvait casser cette dureté, cette séparation qu'il y a entre nous, et entrer dans cette intimité, ce serait beau. Eh bien, vous ferez cette expérience, celle que j'ai faite à bras ouverts, que c'est peut-être plus difficile de se laisser laver les pieds que de laver les pieds aux autres. Je vous mets au défi de dire le contraire. Il faut beaucoup d'humilité pour laisser l'autre me rejoindre dans cette intimité. Et on comprend que Pierre, il ait du mal. Il ait du mal à accepter que Jésus fasse ce geste. Toi, le Seigneur, comment tu vas t'abaisser à ça? Mais je suis venu pour ça. J'ai quitté le confort du ciel pour venir vous laver les pieds. Vous savez, des scènes de l'Évangile particulièrement émouvantes, c'est la manière dont Jésus se rapproche des lépreux. Cette scène a tellement bouleversé le cœur d'un grand saint, celui qu'on a dit qu'il était le deuxième Christ sur la terre, le Poverello d'Assise, saint François d'Assise. Vous savez, ce jeune homme qui était très délicat, qui avait grandi dans un contexte un peu protégé. Puis voici qu'il se laisse toucher par le Seigneur, par la pauvreté du Seigneur. Et vous connaissez tous cette scène, à un moment où il est à cheval, un peu enfermé, confiné dans sa superbe. Il entend la cloche qui lui signale qu'il faut déguerpir. Pourquoi? Parce que cette cloche, elle signale que, eh bien, ses concitoyens, ses frères en humanité, est enveloppé d'un drap qui le protège et il faut s'écarter. Vous avez reconnu, il est atteint de la lèpre. Cette maladie tellement contagieuse et tellement dégoûtante, si on peut dire. Premier mouvement de François, il s'écarte, il part à bride abattue, et puis voilà que quelque chose l'arrête, il fait demi-tour, et dans un mouvement du cœur plus rapide que son intelligence, comme si son intelligence était captée, comme si son affectivité était mise entre parenthèses, mais comme si un mouvement de l'Esprit Saint très profond l'entraînait, il descend de cheval et il embrasse ce lépreux, il embrasse cette chair putréfide. Chers amis, Dieu s'est rendu proche. Dieu n'a pas peur de nous toucher. Dieu n'a pas peur de nous approcher. Est-ce que nous avons peur, en ce temps de confinement, les uns des autres? Je vous avoue que quand on sort dans la rue et que des gens se détournent, comme si on était dangereux, oui, il y a des normes, oui, il y a des... on nous demande de faire quelque chose qui est contre nature, profondément contre nature, et qui fait violence à notre nature d'homme, fait pour le contact, et qui fait violence à notre nature de chrétien, qui se laisse toucher par Dieu. Et Jésus l'a dit, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Alors c'est profondément douloureux. C'est profondément douloureux pour un prêtre de ne pas pouvoir accompagner des personnes en fin de vie. Et c'est tellement beau pour des médecins, cette intelligence de donner accès, de comprendre que eux soignent avec tout leur dévouement, toute leur charité, mais que... il faut laisser un chemin pour que, jusqu'au cœur de la personne en fin de vie, eh bien, le cœur puisse être touché par l'amour de Jésus et qu'ils ouvrent la porte de leur hôpital à un aumônier. Je suis tellement bouleversé en pensant à tous ces petits soins, tous ces soignants qui ont cette humilité de s'approcher de ces malades un peu partout et peut-être de se mettre parfois en danger. Le pape François a dit que c'était les héros, les petits héros de l'ordinaire. Mes frères et sœurs, par pitié, n'entrons pas dans cette peur. Et lorsque nous reprendrons notre vie normale, eh bien, nous ne déterminons pas les uns des autres. Nous ne sommes pas dangereux les uns pour les autres. Nous sommes des frères. Et la chose la plus dangereuse, ce serait de remettre une distance, une barrière entre nous.
Frères et sœurs, nous devons vraiment nous laisser toucher par Jésus ce soir. Alors je ne sais pas comment on peut le vivre, parce que c'est extrêmement violent de ne pas pouvoir faire ce geste-là à l'Assemblée. J'ai l'habitude de descendre comme tous les curés, et c'est très beau ce moment où on descend dans l'Assemblée et on vient rejoindre l'un de nos paroissiens, on vient lui laver les pieds, on vient lui dire quelque chose à l'oreille. Et c'est quelque chose de la tendresse de Jésus qui se dit. Et c'est comme une contagion d'amour, de charité qui se fait autour. Et ça vient informer tous ces petits gestes de charité, de proximité que nous vivons. J'ai peur que des gens meurent seuls, chers amis. J'ai peur qu'il y ait une contagion de la peur qui nous prenne plus encore. Nous ne sommes pas dangereux les uns pour les autres. J'ai un ami pasteur qui aime bien dire, j'ai jamais été vérifié, qui aime bien poser la question, savez-vous combien de fois il est dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur? Réponse, je vous interroge, répondez-moi là où vous êtes. Il paraît que c'est 365. 365 parce qu'on en a besoin une fois par jour. Je ne sais pas ce que ça fait les années qui s'extilent. Mais chaque jour, nous devons entendre Dieu se rendre proche et nous dire, n'ayez pas peur que je vous lave les pieds, que je vous touche, que je m'approche de vous. Et n'ayez pas peur de le faire humblement, n'ayez pas peur de vous dire que vous aimez. Et n'ayez pas peur de ce langage des gestes, le langage du toucher qui est le langage le plus profondément humain. Savez-vous que les sacrements doivent, exigent qu'il y ait un contact. Beaucoup de gens nous interrogent, nous les prêtres, en nous disant « Est-ce qu'on peut se confesser par téléphone ?» Eh bien, le Vatican s'était prononcé il y a quelques années, « Non, ça n'est pas possible. » Pourquoi ? Parce que l'incarnation, la logique de l'incarnation, Dieu qui s'est fait chair, nous dit saint Jean dans son prologue, Dieu qui s'est fait sars, on pourrait dire c'est vraiment presque viande, pardon, hein, c'est vraiment Dieu qui a pris un corps humain, il veut ce contact. Et Dieu n'aime pas beaucoup le contact virtuel. Mais je vous avoue que depuis 2 semaines, on s'amuse pas mal. WhatsApp, c'est super. Tous les contacts virtuels et compagnie, nous les jeunes, moi je ne suis pas jeune, mais les jeunes vivent là-dedans tous, tout le temps. Et je vous avoue que j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de voir un écran. Et j'espère que vous aussi. Et j'espère que vous étouffez. Et j'espère que vous avez ce désir d'embrasser vos frères, de le leur dire avec votre corps, c'est-à-dire avec la partie la plus humaine. J'espère que vous sentez que Jésus a eu ce désir lorsqu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Il ne s'est pas détourné de l'humanité. Alors, chers amis, il faut que l'Esprit Saint nous inspire pour qu'on ait une manière de se dire notre amour les uns aux autres. Mais surtout, qu'on n'ait pas peur. Rejetons cette peur. C'est à chaque fois que Dieu se penche sur l'homme. Souvenez-vous de la nuit de Noël, lorsque les anges apparaissent aux bergers. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bien sûr, les bergers se sentent sales. Les bergers sont dans leur boue, et voilà que des anges infiniment lumineux s'approchent. N'ayez pas peur de vous laisser toucher, de vous laisser approcher. N'ayez pas peur de celui qui s'est fait si pauvre. Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un Dieu qui est né dans une crèche? Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un Dieu qui vient laver les pieds de ses apôtres? Comment est-ce qu'on peut avoir peur de cette grandeur qui s'est fait infiniment petit? De cette distance qui se fait infiniment proche? Peut-être parce que nous ne sommes pas assez humbles. Et je terminerai sur cette image très belle, puisque c'est ce que nous allons vivre dans quelques instants, lorsque le prêtre va enlever sa chasuble. Vous avez entendu qu'il va déposer son habit comme Jésus. Et c'est le même mot que saint Paul emploie dans l'Épître aux Philippiens pour dire que librement Jésus a déposé sa vie. En enlevant ce beau manteau, vous voyez cette chasuble dorée, eh bien c'est la gloire que Jésus enlève. C'est la gloire des anges, c'est la gloire du ciel. Et il va se faire serviteur. Et il dépose sa vie, il dépose sa gloire pour entrer dans une humilité qui est infiniment plus glorieuse, l'humilité du service. Retenez bien cette phrase merveilleuse, on la doit à un grand mystique qui est mort il y a quelques années, dans les années 70, Maurice Zundel. Et il a eu cette formule que je trouve absolument bouleversante. Il dit « Toutes les religions nous parlent de la nécessité que l'homme a de se mettre à genoux devant Dieu. » Ça s'appelle la vertu de religion. Quand j'ai découvert qu'il y a un Dieu, quand j'ai découvert qu'il y a un Créateur, quand j'ai découvert que je ne suis pas mon propre Dieu, je ne peux faire autre chose
que me mettre à genoux avec un cœur rempli de craintes sacrées. Mais la religion chrétienne est la seule où c'est Dieu qui vient se mettre à genoux devant l'homme. C'est Dieu qui vient servir l'homme. C'est Dieu qui vient supplier l'homme de se laisser toucher par lui, de se laisser rejoindre. Alors que l'Esprit Saint nous donne, de la manière qu'il choisira ce soir et dans les jours à venir, de nous donner la joie d'expérimenter ce toucher de Jésus qui se rend proche. Et normalement, ça se fera à travers le sacrement d'un frère. Un frère qui, eh bien, fera un geste à notre égard, et nous laisserons faire, et nous restaurons cette humilité, et nous ferons tomber notre peur de nous laisser rejoindre, de nous laisser toucher, de nous laisser aimer. Amen.
Et resurrexit et sit ad ire, secundum sit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi, ô victime, pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang.
Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et pour celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
et avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
des signes désespéré, qui ne comprend pas, va aller chercher le voile numéral. Je vous indique la manière dont nous vivons ces jours saints. Nous allons maintenant accueillir la réserve eucharistique. La réserve eucharistique, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme hostie dans le tabernacle. Et nous allons accompagner Jésus dans cette grande veillée. Après le dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres, après le lavement des pieds, après l'institution de l'Eucharistie, ce jeudi soir dans le Cénacle, après avoir longuement parlé avec ses apôtres, Saint Jean étant tout proche de lui, Judas étant sorti pour aller chercher les gardes, Jésus, la nuit tombée, sort du Cénacle et rejoint de l'autre côté du torrent du Cédron, ce lieu appelé Gethsémani. Et il va vivre cette grande soirée d'agonie en attendant que Judas le rejoigne avec les gardes du temple. Jésus va vivre ce temps d'agonie, ce temps où il aura besoin d'être accompagné. Vous savez qu'il demande à trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de le suivre, et que ceux-là s'endorment, ne peuvent pas veiller avec lui, tant la douleur est grande. Nous avons souvent cette expérience que nous avons du mal à être présents à la douleur, à la souffrance de nos frères. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu accompagner Jésus. Vous n'avez pas pu tenir une heure avec moi. Alors nous avons la tradition dans l'Église, le jeudi soir, de veiller avec Jésus, d'essayer de tenir un certain temps, éventuellement une heure. Alors chers amis, vous pouvez organiser là où vous êtes, dans votre maison, dans votre appartement, un tour de prière. Si vous êtes réveillé cette nuit, ça veut dire que Jésus vous appelle à veiller avec lui. À minuit, dans l'église, nous veillerons près du Saint-Sacrement. L'église Saint-André sera ouverte pour que ceux qui veulent venir adorer, rassurez-vous, on respecte les règles du confinement, puisqu'il y a de la place, veulent rester près du Seigneur. Ceux qui veulent rester chez eux peuvent s'unir spirituellement à cette présence de Jésus, mais essayons de vivre cela. À minuit, eh bien, le prêtre ira chercher la présence eucharistique de Jésus après avoir lu le récit de l'arrestation, le récit de cette rencontre entre Judas et Jésus. Judas qui, par un baiser, qui va toucher Jésus par le geste de l'amitié et qui va le trahir en même temps, qui va le livrer, Jésus va se laisser livrer. Alors on va lire ce récit et puis discrètement, on emmènera la réserve eucharistique, le Saint-Sacrement, dans un lieu scellé. Et l'église sera dépouillée de toute décoration. On enlèvera les nappes de l'autel, on enlèvera les cierges, on enlèvera toute décoration. Et vous avez vu que les statues sont aussi voilées, en signe de deuil. Et si vous entrez dans l'église demain, pendant cette journée du Vendredi Saint et celle du Samedi Saint, tout nous dit le deuil de l'église. Tout nous dit, eh bien, que la fête, entre guillemets, est interrompue par le deuil. Et nous suivons Jésus, demain nous nous retrouverons pour célébrer la célébration de la Passion du Christ, le seul jour de l'année où l'Eucharistie n'est pas célébrée, parce que nous célébrons la Passion, nous lisons le grand récit de la Passion chez Saint Jean. Alors nous accompagnerons Jésus pas à pas. À partir de ce soir, l'Église nous fait vivre, j'ai envie de dire en direct live, en minute par minute, eh bien ce temps qui a été celui des trois derniers jours de la vie du Christ. Jusqu'à ce que nous passions avec lui, avec Marie, dans la nuit du tombeau, de la mort à la résurrection, et nous exultions de joie dans la nuit de Pâques. Alors que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous touche de sa tendresse, de sa miséricorde pendant cette nuit. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils, accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne.